Hop là. Alors, je ne sais pas du tout si vous m'entendez en fait. J'ai pas réussi à vérifier là sur mon retour. Hop. Sinon, c'est pas grave. On va lancer le jeu. C'est parti pour un jeu mythique, Silent Hill 2. C'est bizarre, j'ai pas eu la notification Twitch, bah, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Et on me dit aussi que... Alors, qu'il y a un petit souci avec mon Discord. Est-ce que tout le monde n'a pas eu la notification, ou du moins la permission pour y accéder? Alors, comment ça se fait ça? Bah, je ne sais pas. C'est embêtant. Il a fallu que je passe par Discord pour venir sur live. Donc toi, par Discord, tu as pu voir le live du coup. Enfin, tu as pu voir l'annonce. Alors c'est vrai que toi, tu as aussi les droits de modération, donc c'est peut-être pour ça. Sur le live, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez d'ailleurs. Alors, si je mets permission. Hop. Normalement, si, voir le salon, c'est bon. Ajouter des réactions. Bah, je ne sais pas, du coup. Ça marchait pas directement sur Twitch. Bon, c'est très étrange. Et salut Scan. Est-ce que on m'entend? Alors, je vais le mettre dans le chat. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend. Ok, bon, c'est parfait. C'est parfait. Donc, ouais, Scan, je suis désolé du coup pour le Discord. Je sais pas ce qui s'est passé. Parce que pourtant, normalement, tout le monde a la permission de voir le salon et de mettre des emojis ou des choses comme ça. Donc, je ne sais pas trop pourquoi. Ouais, là, c'est un mystère. J'essaye de régler ça rapidement, mais ouais, c'est peut-être ça effectivement. Alors, si je retourne dans les paramètres, permission, bah écoute, je vais rajouter ça déjà, ça sera pas mal. Je sais pas si là maintenant tu le vois. Normalement, ah oui, alors faut que je fasse enregistrer les modifications parce que sinon ça ne va pas marcher. Hop, hop, et il reste ce rôle-là à ajouter. Tac, et je pense que normalement, hop là, alors, normalement. Ça doit être bon, je pense. J'ai mis chaque rôle avec la permission de voir le salon, donc normalement ça doit être bon. J'espère. Mais effectivement, il faudra que que je reparamètre tout ça et que je regarde salon par salon en fait si j'ai bien tout fait. Il me semblait que oui, mais bah comme tu peux le voir, il y a encore des petits soucis avec le Discord. Donc, j'essaierai de faire tout ça en temps voulu. Pour l'instant, ce soir, on va se pencher sur Silent Hill 2, le remake du deuxième opus qui date de 2001 et qui a changé ma vie. Et c'est un pilier du jeu vidéo pour moi, le Silent Hill 1 et 2, de toute manière. Les autres aussi, mais Silent Hill 1 et 2 particulièrement. Allez! Assez bavardé, c'est parti.
Esther. Restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. Disease 3 years ago. So then why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Could Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me? C'est parti. Alors, c'est un jeu que j'ai fait un nombre de fois incalculable. En 23 ans, vous pensez bien que je l'ai fait un très très grand nombre de fois. C'est un de mes jeux préférés. Et déjà, c'est bluffant en fait. C'est superbe. C'est vraiment super. Donc le premier était sur PS2 hein, en 2001. Et c'est très marrant parce que déjà sur PS2 il était très beau à l'époque. Je pense que c'est en fait c'est très étrange comme sensation. Parce que c'est nouveau, c'est différent, c'est mieux fait évidemment, mais c'est complètement familier en fait à la fois. Et c'est très très étrange en fait, ça, c'est très très étrange de se retrouver dans cette configuration là. Le truc c'est qu'il va falloir que moi j'arrive à me défaire un petit peu du jeu que je connais par cœur en fait sur PS2, puisqu'ils ont fait aussi des graphismes actuels quoi. Ils ont aussi fait tout un tas d'améliorations et de gameplay et de l'ajout de contenu. Donc le jeu est un petit peu plus long, normalement, de ce que j'ai compris. Donc il va falloir que j'arrive à passer à le faire comme si c'était un nouveau jeu. Et en même temps, la nostalgie et l'amour pour ce jeu est tellement présent que ça va être sûrement compliqué. Dans le jeu d'origine, par exemple, ici, donc on avait les grillages, il y avait quelques arbres et beaucoup de brouillard. Mais l'ambiance était tellement forte que c'est exactement comme ça que je le voyais, en fait, avec mes yeux d'il y a 23 ans, quoi. Donc ouais, ça va être un sacré challenge. Et c'est parti, du coup. Alors, il y a des choses que je risque de faire peut-être un petit peu automatiquement. Si ça suit vraiment truc par truc le jeu d'origine. Comme là par exemple, je vous spoil vite fait, il y a une carte dans sa voiture sur le siège avant.
Voilà, dans le jeu, en tout cas d'origine, c'était ça. Donc je suppose, là, la porte est ouverte comme dans le jeu d'origine, c'est la même voiture, mais évidemment beaucoup mieux fait, quoi. Et donc il y a bien une carte. Qui est donc la carte du côté sud de Silent Hill qui donne sur Toluca Lake. Hop. Alors ouvrir la carte. Oui, ok, ça c'est simple. Hop. On peut fermer cette porte, chose qu'on ne pouvait pas à l'époque. C'est le jeu que tu as fait le plus de fois, probablement, ouais. Probablement. Je pense que. En fait, à chaque fois qu'on y retourne, on voit un truc différent, on voit un truc qu'on n'avait pas vu avant. Et là, c'est. Enfin. Où on a l'impression de revoir des choses différentes alors que ça se trouve, ça ne l'était pas. Et ouais, c'est un jeu que j'ai vraiment. Que j'ai vraiment fait un très grand nombre de fois, ouais. Le jeu avait eu un portage sur Xbox 360 et PS3 il y a une dizaine d'années, mais ils avaient perdu les codes sources du premier jeu, donc ça devait être juste un portage. Et au final, c'était un portage fait un petit peu au rabais, puisque donc Konami avait perdu les codes sources du jeu, ou du moins ils avaient été perdus. Les codes sources finaux avaient été perdus, ou perdus dans un incendie, je ne sais plus exactement. Et du coup, ils avaient fait avec des codes sources qui n'étaient pas les codes sources finalisés du jeu, quoi, à l'époque. Pour le portage. Mais là, du coup, ils l'ont vraiment refait de A à Z. Et c'est génial parce que c'est. Voilà. Le welcome avec les lettres qui manquent. Bah voilà, c'est exactement. Exactement comme sur PS2. Ça fait. Ça fait plaisir et ça fait bizarre à la fois. C'est assez magique comme sensation. Voilà, le fameux camion blanc, la camionnette. Allez, il n'y a rien à faire ici, hein, techniquement, mais voilà. Et comme j'aime beaucoup papillonner, je risque de m'extasier devant le moindre truc, la moindre branche et le moindre arbre. Et déjà l'ambiance commence à changer. Avec les bruits, avec la légère musique qui est déjà beaucoup plus tendue, ce brouillard évidemment typique de Silent Hill. Et ce chemin qui descend, qui n'en finit pas. Alors sans trop vous spoiler, déjà à l'époque, ce chemin qui descend et qui n'en finit pas était présent un petit peu. Il l'avait volontairement fait très long. Les développeurs à l'époque avaient expliqué que c'était pour. Alors pareil, hein, sans spoiler. Voilà, l'arrivée de James à Silent Hill, bah c'est pour chercher sa femme, donc c'est un peu le début de sa descente aux enfers. C'est un petit peu comme Orphée qui descend aux enfers en fait. Il le voulait justement symboliquement long pour qu'on sente l'impact de faire ce choix en fait, quoi. Des bruits de pierre qui tombent. La forêt est magnifique en tout cas. Avec ce bruit de branches, les arbres qui craquent un petit peu, les flaques d'eau.
J'aime bien la référence à Orphée, c'est vrai que ça prend tout son sens dans le jeu. Ouais, bah oui, clairement, ouais. Clairement. Le fameux puits. Hop, ouais, non, on peut pas sortir du sentier pour l'instant. Oups. Voilà, donc voilà, les carrés rouges. Ça pète toujours autant les yeux, ouais, exactement. Donc ouais, les carrés rouges qui sont des points de sauvegarde. Et James qui nous dit que ça lui fait l'effet, quoi, qu'on lui serre le crâne, que quelqu'un lui serre le crâne. Et ça, c'est un détail intéressant, mais on y viendra plus tard, je pense, quand on sera un peu plus loin dans le jeu. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But I think you should stay away. This town, there's something wrong with it. And it's not just the fog either. Is it dangerous? Maybe. It's kind of hard to explain, but... I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. But why? I'm looking for... someone. Someone very important to me. Me too. I'm looking for my mama. I mean, my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry, it's not your problem. No, I hope you find them. Yeah, you too. Alors ça, c'était une scène qui était déjà très marquante dans la version d'origine. Et l'impression que j'en ai, en fait, c'est ça qui est très étrange, c'est que ce sont les mêmes musiques, mais refaites. En fait, la Silent Team est revenue, la Silent Team d'origine, hein, et ils ont refait le jeu avec les moyens de maintenant, et dont les musiques. Et Akira Yamaoka, donc, qui est revenu lui aussi, a refait cette musique. Et c'est très étrange cette sensation que c'est exactement la même et qu'en même temps, dans l'orchestration, pardon, il y a des choses en plus. En fait, c'est beaucoup plus harmonique, c'est beaucoup plus...
y a beaucoup plus de matière, en fait. C'est plus profond et c'est très, très intéressant. Et y compris dans les jeux d'acteurs. Alors, ce n'est pas les mêmes acteurs qu'à l'époque, évidemment, parce que ils ont vieilli et puis... alors, ils étaient très bons, hein, à l'époque, déjà, mais c'était un petit peu plus rigide. Alors, évidemment, on était sur... sur l'époque début de PS2. Et donc je suppose que leur jeu s'adaptait un petit peu aussi à ce qu'ils voyaient peut-être à l'écran ou à quelque chose comme ça. Mais là, on sent vraiment, je trouve, un jeu d'acteur qui est encore, sur ces quelques phrases, qui est encore au-dessus de ce qu'on avait, en fait. Je trouve qu'il y a plus de... Alors l'animation aussi fait que, forcément, les gestes sont plus fluides, plus naturels, enfin, c'est moins carré et tout ça. Et ouais, vraiment... Vraiment, je sens, enfin, en tout cas, il y a, enfin, c'est l'essence du truc original est là, quoi, très clairement, et c'est même poussé plus loin, j'ai l'impression, quoi. Et c'est assez génial. J'essaie de voir si on voit des noms sur les tombes. Je faisais déjà ça il y a 23 ans. Il y a beaucoup plus de tombes, j'ai l'impression, qu'à l'époque. Est-ce qu'on peut faire le tournant? Peut-être pas. Ouais, non. Là, ça bloque. Et c'est vraiment étrange, cette ambiance. Cette ambiance à la fois paisible et pesante, quand même. Bon, en même temps, c'est un cimetière et une église, donc... Ça explique aussi, mais c'est tellement bien retranscrit, parce que là encore, c'était que des pixels, entre guillemets, à l'époque, et c'était des... Alors, que des pixels, c'est méchant de dire ça, mais... Parce que c'était déjà très beau, mais... En fait, c'est pareil, quoi. C'est comme ce que je vous disais tout à l'heure dans le chemin, c'est comme ça que je me l'imaginais en le jouant, en fait, il y a 23 ans, quoi. Alors, je vais juste retourner parler à... Alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas dit son nom encore, donc je vais peut-être éviter de le dire, mais je pense pas que ça change grand-chose. Elle s'appelle Angela. Hop. Ok, on voit quelques noms quand même. Did you want anything else? No, it's just this fog. Does it seem unsettling to you? I guess. Yep, j'essaie juste de lui parler. It's just through the gate and down the path. You'll get there in no time. Good luck finding the one you're looking for. Yeah, I should probably get going. Ok. En tout cas, c'est vraiment, vraiment bien foutu. Le brouillard, la mousse sur les tombes, l'ambiance est vraiment là, quoi. Oh, bah oui, cet endroit, bah oui. Rah. Et une partie du cimetière qui a pris l'eau. Visiblement, je ne peux pas y aller. Hop. Alors, on va rester sur le chemin quand même. On va passer le portail comme elle nous a dit.
Alors on peut courir, hein, si jamais, c'est juste que je prends mon temps. Je prends mon temps, tout simplement. Je découvre et j'apprécie. On pouvait courir dans le jeu original, oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait, ouais. Là, c'est vraiment moi qui vais doucement. Enfin, il me faut un petit temps de. Comment dire? Bah de je démarre dans un truc que je connais parfaitement et qui en même temps est complètement nouveau, quoi. C'est d'une certaine manière, c'est pas tout à fait comparable, mais il y a un petit peu de ça quand même. C'est comme quand dans Ahsoka, par exemple, tu vois Hayden Christensen en Anakin avec la tenue de The Clone Wars, en fait. Bah, c'est-à-dire que c'est un petit peu ça, quoi. Tu connais parfaitement Anakin dans la tenue de The Clone Wars, et là ça passe en live action, entre guillemets, et tu te retrouves avec l'acteur que tu connais parfaitement, qui est dans une tenue retranscrite de l'anime, et c'est juste génial, en fait, quoi. C'est juste génial. Et là, c'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a une magie qui est un peu différente, parce que là, on parle de lieu, etc. Mais on est un petit peu sur cette fibre-là, quoi, de nostalgie, en tout cas. Il y avait la caméra épaule à l'époque, ou c'est une nouveauté du remake? C'est une nouveauté du remake. La caméra elle devait être un tout petit peu plus loin. Un petit peu plus loin, puis oui, pas forcément axé épaule comme ici. Et je pense que ça va permettre de gagner un petit peu en dynamisme notamment. Alors là, c'est génial parce que on voyait pas grand-chose de ce qu'il y avait derrière la barrière. Et là, il y a vraiment des bâtiments, quoi. On voit pas juste les toits. Voilà, le Silent Hill Ranch. Désolé de prendre mon temps comme ça, mais. C'est difficile à expliquer en fait quand un jeu vous a marqué autant et que le remake apporte. Je sais même pas comment décrire le mot en fait, mais et cette mélange de nostalgie et de nouveauté, quoi. Bruit de portail. Je retourne voir au portail quand même. Parce qu'il y avait ça aussi qui était très frustrant à l'époque, c'est que bah, c'était très limité forcément. Il n'y avait pas. On ne pouvait pas se permettre plein de trucs. Et du coup, ils jouaient beaucoup sur l'ambiance pour en fait nous faire peur avec les frustrations de ne pas pouvoir aller plus loin dans la map, quoi. Ce bruit de craquement là. Est-ce qu'on peut aller par là? Non. Là aussi c'est fermé normalement. Voilà. Alors ça, vous voyez, ça c'est un ajout. Parce que c'était pas ouvert avant. Bah oui, c'est normal. Bah, y a cette partie-là du jeu où tu traverses l'après-cimetière pour te rendre à la ville. Mais par exemple, voilà, comme ce bâtiment-là, il n'y avait pas ça, quoi. Ou du moins, c'était fermé. Alors.
j'ai décidé d'aller en ville pour faire réparer la fenêtre. Le double de la clé est dans le tiroir. Ok. Donc ça sous-entend qu'on doit pouvoir entrer... qu'on doit pouvoir entrer quelque part. Ou du moins qu'il y aura un double des clés quelque part ailleurs. Peut-être plus loin. Ça, c'est cool. Hello? Anyone in here? J'ai surtout en mémoire le parking, puis l'arrivée en ville, mais pas tout ce passage dans la forêt et le cimetière. Eh ben si, pourtant, si était. Mais ouais, bah, effectivement, ils ont rajouté des choses. Il y a toujours ces bruits un peu... Alors moi, je joue avec le casque, là. C'est vrai que, bah, comme dans l'original, hein, il y a des bruits à l'arrière de nous et... On a cette impression un peu d'être observé ou d'être suivi même par moment. Ok. Donc zoomer, autoservice, ok. Ok. Alors le menu est un petit peu différent visiblement, mais on reste dans cet esprit là aussi qu'il y avait. Il n'y a rien dedans. Alors, est-ce qu'il y avait un truc auto-service avant? Parce qu'auquel cas, ça voudrait dire que je peux ouvrir. Genre là, par exemple. Non, c'est pas là. Ah, il y a peut-être un truc plus loin. Parce que ouais, ça, c'est plutôt la Syrie, du coup. Donc, le double... mais alors, ce double des clés ouvre quoi, en fait? Si je regarde... clé trouvée dans l'atelier Best Auto Parts. Ok. Ok, bon. On verra. Ah ok, c'était pour ça. Ok. Alors on entend du bruit dans le fond. Dire qu'à l'époque, pour passer cette grille, on avait un temps de chargement.
Là encore, on traverse des, bah, des lieux connus, enfin, des lieux du jeu d'origine, quoi. Et ça fait très étrange de repasser dans ces lieux, ouais, tant d'années après et avec cette qualité-là, quoi. Donc là, on obtient une carte complémentaire de la ville. Hop. Ça a l'air d'être la même carte, hein, de mémoire. Il y a peut-être quelques trucs qui ont été ajoutés, mais... carte de l'Est de South Vale. Ok. Le magasin de fleurs. Qui visiblement a pas vendu de fleurs depuis un petit moment. Hein. Oh, on peut rentrer. Ah, ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau et ça me plaît. Cette frustration de pas pouvoir rentrer dans les magasins ou dans les bâtiments. C'est génial. Alors, Madame Cassandra, un client est venu aujourd'hui et a commandé un bouquet de roses rouges et blanches. J'ai tenté de lui dire que cette association portait malheur, mais il n'arrivait pas à se décider. Il semblait d'ailleurs, il semblait ailleurs et me regardait comme si je n'étais pas là. Puis il est parti en disant qu'il repasserait les chercher plus tard. Je voulais vous prévenir car je ne serai sûrement plus là quand il repassera. Ok. C'est tout bête, mais le fait de pouvoir entrer dans un magasin, c'est juste génial. Même s'il n'y a rien à y faire, c'est un truc un peu side quest, quoi. Non, c'est juste cool, quoi. C'est juste cool. Ah. Ok, une trace, visiblement. Alors je teste les boutons un petit peu, hein, forcément aussi. Hop. Après, j'ai pas d'objet ni rien pour l'instant, donc je pense que ça sert pas forcément à grand chose. Ok. Alors, je sais que le jeu me force un peu à aller vers l'autre côté, mais je veux juste voir ce qu'il y a dans l'autre direction. Parce que de mémoire, c'était une route bloquée, mais on pouvait récupérer un peu de... Je sais plus, c'était pas une trousse de soins ou quelque chose comme ça. Non. Donc, on vient de là. On a fait le magasin de fleurs ici. Et on va par là.
Alors je sais pas si avec ce remake ils ont conservé un peu la timeline d'origine. De mémoire, dans le 2, on doit être dans les années 80, si je ne dis pas de bêtises. Ça nous invite clairement à aller par là. Hein. Encore des traces. C'est assez génial parce qu'on suit pas exactement le même chemin que dans le jeu d'origine, mais l'ambiance est vraiment incroyablement bien retranscrite. Alors regardez autour de vous pour trouver des objets marqués avec un tissu blanc. Ce sont les points. Ce sont. Non, c'est des points. J'ai pas eu le temps de lire. Traversés par quelque chose, mais c'est pas grave. C'était moins une. Et donc moi j'ai mis 42 minutes à faire un truc qui en courant devrait être fait en 10 minutes. Mais c'est pas grave. Et là, pour vous situer, tout ça, c'est complètement nouveau pour moi. Parce que le monstre, on suit pas cette trajectoire-là, normalement.
On passe pas dans l'appartement, etc. Et là, c'est vraiment cool. Alors, boisson revigorante. Alors, ça grésille dans cette pièce. Et là, c'est fermé. Ok, d'accord. Oui, bon, je pense que c'est bon. Alors, c'est très marrant parce que cette partie-là, du coup, normalement se passe plutôt. Enfin, normalement. Dans le jeu d'origine, se passait sous une sorte de pont, un peu comme ce qu'on a vu où James d'ailleurs s'est arrêté parce qu'il a entendu un bruit pas longtemps après la Syrie. Et là, du coup, ils ont décidé de déplacer ça dans un appart ou dans une maison. J'aime beaucoup cette idée, en fait. J'aime beaucoup cette idée. La mise en scène est très, très bien, là. Il a fait une intoxication alimentaire, je reconnais. Ou il a trop bu. C'est possible, on en connaît aussi. Hein, non. Je citerai pas de nom, mais... Donc ouais, je pense qu'ils ont gardé cette timeline justement là, années 70-80 un petit peu. Parce qu'on a un vieux poste de télé là. On le voyait un petit peu déjà aux voitures, d'une certaine manière. Ok. Voilà, pour le coup, je découvre en même temps que vous. Hein. Une seringue. De quoi on ne sait pas, mais c'est toujours pratique. Donc pour se soigner évidemment, hein, mais je trouve ça assez marrant justement qu'il précise pas quelle est la substance qui va s'injecter. Alors forcément moi. Contre le monstre au départ, j'y suis allé avec les boutons de l'époque en fait instinctivement. Et du coup là, c'est avec R2 et c'est très très cool aussi R2 parce qu'il y a cette sensation avec la gâchette de la manette de PlayStation du coup qui nous bloque un peu au bout d'un moment quoi pour la fatigue pour ce genre de choses quoi.
Je me demandais justement s'ils allaient conserver ce passage, et visiblement oui. Parce que ça se passe juste après qu'on tue le monstre à la base. C'est moi ou le sac a bougé là ? J'ai l'impression que le haut du sac bleu là ici s'est tombé un peu comme une tête. Alors après c'est peut-être moi. Hein. Alors est-ce que je peux péter ? Ouais non, je peux pas péter la vitre. Est-ce qu'on a d'autres trucs à récupérer à partir de maintenant ? Ça, ça va être cool aussi. Si on pouvait pas faire ça à l'époque. Ah, les voitures ne m'ont rien fait, non, mais le jeu m'offre la possibilité de casser des vitres, je casse des vitres. Puis de toute façon, si la fissure est plus gros, plus petit qu'une pièce de 2€, Carglass répare, donc... Là, pareil, j'aime bien ces petits ajouts, le fait qu'ils réagissent avec un simple hum au fait que la porte soit fermée. Ah. Ouh. Nevis Bar. Ouais, qu'il y a un truc à l'intérieur, mais. Ouais, c'est un paquet d'allumettes, ok. Ok. Il y a encore autre chose. Si vous lisez ceci, fuyez. Cet endroit n'est pas ce qu'il paraît. Parfois, il suffit de regarder derrière. Excellent. Alors... Regardez derrière, mais justement derrière. Ah voilà. Fuyez, 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 fuyez. Ok. Là. Alors, ça a l'air de venir de là-bas. Effectivement. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de sauvegarde automatique et que c'est qu'on est à l'ancienne, hein? Ça serait pas mal. Alors c'est vrai qu'on est très habitué aux sauvegardes automatiques et qu'on râle pas mal quand il n'y en a pas, mais ça fait partie aussi du charme des anciens jeux, je trouve. Qu'il a vu quelque chose, hein. J'ai cru qu'il avait regardé dans la direction. Ouais, non. Parce que ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les Silent Hill, quand le personnage en fait tourne la tête dans une direction, c'est qu'il a vu souvent un item à ramasser.
Alors, je ne sais pas s'ils ont conservé ce système-là. Oups. Andy's Bookstore, est-ce qu'on peut y aller? Ah non, je pense pas là. Je ne pense pas. De toute façon, le Nidis Bar, c'est par là, de mémoire. Alors, j'avais lu Ori Cleaners, mais non, c'est Dry. Là, on dirait que c'est Ori. Ah, je peux pas. Alors, il doit y avoir un monstre à l'intérieur, probablement. Oh putain, je l'avais pas vu. Bah merde, elle est où? J'ai cru qu'il était au sol au départ, mais... Ah, c'est une bestiole comme ça, ok. D'accord, ok. Je m'attendais à un grand... Ok. Ça ressemble aux vêtements que portait la créature tout à l'heure. Alors c'est aussi le fait de l'entendre souffler, de ne pas être rassuré aussi, ou d'avoir froid, c'est assez, assez immersif. Alors. Ok. C'est fermé. Là, on peut pas y aller. Est-ce que je peux péter le distributeur? Oui. Il n'y a rien à prendre par contre. Ah, mais du coup, ça me donne accès à d'autres bâtiments en fait. Ah, ok, non, c'est juste que j'étais pas venu voir par là. Effectivement, il y a les rubans là. Et du coup, c'est le Andy's Bookstore, donc ça. Ok, ça on pouvait pas y aller à l'époque de mémoire. Ah, c'est génial. De toute façon, dès qu'il y a des bouquins, c'est cool. Alors. En mars 1965, la ville de Silent Hill a reçu la visite de l'association de recherche psychique du Maine. Après une étude soigneuse, une équipe de sourciers experts de l'association a conclu que la zone entourant la mine de charbon de Whistle, désormais historique, était hautement active. Elle a aussi exprimé ses espoirs de recherche plus poussée et d'exploration de la gorge. Cependant, ces espoirs n'ont pas abouti, le site ayant été déclaré réserve naturelle historique par la Société historique de Silent Hill. D'autre part, les habitants étaient réticents envers ce projet, arguant que la nature des recherches de l'association nuirait à l'activité touristique du secteur. Le fait de mettre en doute la crédibilité de nos recherches en se retranchant derrière le tourisme est une excuse pour nous empêcher de découvrir ce qu'il y a vraiment là-bas, a déclaré l'un des chercheurs. Malheureusement, aucun représentant local n'était disponible pour commenter cette actualité. Note de l'éditeur, au moment de la publication, il n'y a aucune preuve tangible quant à l'existence de la radiesthésie et à l'efficacité des méthodes des sourciers. Les opinions exprimées dans cet article ne reflètent pas le point de vue de son auteur. Hop. Donc ouais, Silent Hill, c'est aussi une ville qui a tout un lore tourné sur l'occulte, quoi. L'occulte, ou du moins les pratiques ésotériques ou pas très scientifiques, quoi, on va dire. On entend le téléphone. Alors. On peut pas décrocher ou essayer de le raccrocher, mais. En tout cas, on entend le bip du téléphone. Ah.
en saloperie. Alors, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est qu'ils ont en quelque sorte un peu modifié le monstre. Et à savoir que ce monstre camisole était aussi un petit peu une sorte de monstre avec des tumeurs ou ce genre de choses, si je me souviens bien. Alors après, avec les pixels, c'est dur à dire, mais là, on est vraiment sur le côté camisole, quoi. Et il est enfermé dedans, quoi. Donc, juste quand j'étais en train de regarder mon restaurant italien préféré, mais qui est fermé, malheureusement. C'est dommage, il y a un carton à pizza, j'aurais bien mangé une pizza. Je me souviens pas des chaussures sur le monstre. Si, tout à fait. Les monstres avaient ses pieds et ses chaussures noires, un peu avec des hauts talons, là, comme ça. Enfin. Si, là, pour le coup, on est complètement sur le design d'origine, ouais. Est-ce que je peux passer là? Non. Ok. Que je regarde ma map un petit coup quand même, parce que je me balade un peu, mais. Alors. Est-ce que c'est celle-là? Ah voilà. Ah bah je suis pas très loin. American Coffee. Là, on a quoi ici? Ah, du verre épais. Est-ce que je peux rentrer ici? Ouais! Excellent! L'homme était encore là. Je lui ai rappelé qu'on lui avait dit de ne pas revenir ici. Il a fait semblant de ne pas comprendre ce que je disais. En tout cas, il s'est levé, puis est parti. Il n'a pas fait d'esclandre, mais quelque chose en lui me fait peur. Quand j'observe son visage, j'ai l'impression de voir un masque. Il y a quelque chose en dessous qui m'attend que de sortir. Je ne veux pas être là quand ça arrivera. Il y a visiblement un monstre pas très loin. Parce que quand la radio grésille, ça indique qu'il y a un monstre à proximité. Hop. Ok. Ok. J'aime beaucoup ce déséquilibre que le monstre peut avoir. C'est vraiment bien foutu. Et là c'est fermé. Ok. Et ça me ramène American Cuff. Ok, d'accord, ça me ramène là. D'accord. Allez, on va aller voir le Nilis Bar quand même. Ah, Auto Parts. Est-ce que je peux rentrer? Non. Bon.
Alors c'est ça que j'aime beaucoup dans les Silent Hill, c'est que les monstres se baladent dans la ville, indépendamment du fait que je sois là ou pas en fait. Et ça c'est clairement l'esprit d'origine des Silent Hill, que ça soit dès le premier en fait. Hein. Et je trouve que c'est ça qui est plus inquiétant en fait par rapport à des jeux justement comme Resident Evil ou d'autres jeux de zombies, c'est qu'il y a un peu ce côté chez eux qui est screamer en fait, tu te balades et ils te sautent dessus, alors que là c'est l'inverse en fait, c'est, d'une certaine manière c'est toi qui leur sautes dessus, c'est peut-être même toi qui leur fais peur, parce que bah, ils se baladent, ils sont chez eux quoi, et nous on est un intrus chez eux, au lieu que ça soit l'inverse, et c'est ça que je trouve beaucoup plus fort psychologiquement qu'un Resident Evil ou deux jeux du même type quoi. Ok. Alors, soit j'ai loupé le bar. Hop. Ah bah non, je suis à côté en fait. Tant pour moi. Ah bah oui, en plus c'est marqué. Nilis bar. Ah ah ah. Excellent. There was a hole here, it's gone now. Donc il y avait un trou ici, il n'est plus là. Donc ça c'est un des moments cultes, enfin culte, un des endroits cultes un petit peu du jeu quand on tombait là-dessus. Pour le coup on était dans un bar mais où il y avait vraiment rien quoi, c'était vraiment un carré un peu vide avec juste ça de marqué sur la vitre. Et pour l'anecdote, le doubleur de James, donc le doubleur original de James dans la version PS2, je l'avais en contact sur Facebook à l'époque, et il m'avait souhaité mon anniversaire en me disant « There was a cake here, it's gone now », donc il y avait un gâteau ici, il est parti, enfin il n'est plus là quoi. Et bon, il s'avère qu'après cet acteur a fait pas mal de publications politiques. Alors de mémoire, il vit en Australie, mais c'est un grand fan de Trump et Le Pen. Donc bah, évidemment, je ne l'ai plus suivi après ça. Et il a eu un problème, enfin des comportements assez problématiques par la suite, pas durant le tournage, enfin le tournage, son travail de voix et de motion capture sur Silent Hill 2 à l'époque de la PS2, mais c'est par la suite dans sa carrière où, de mémoire, il a eu pas mal de sorties assez nauséabondes, on va dire. Mais bref. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Il s'est mis à éclater ce truc. J'ai dû le jeter dehors. Il a filé en hurlant qu'il allait tout réparer. J'ai récupéré ce que j'ai pu, mais il me manque l'un des boutons. La moitié du vinyle est encore à l'intérieur, mais l'autre partie a disparu. Il a dû l'emporter. Quand j'y pense, il a couru en direction du Groovy. Bon, je devrais peut-être aller voir comment il va. Il vit dans Soul Street, près de la pharmacie appartement 9. Donc ça fait beaucoup d'indices à retenir.
Donc on a récupéré le vinyle cassé. Et visiblement, il va falloir récupérer d'autres morceaux. Alors ça, c'est une quête qui a été ajoutée, parce que de mémoire, il n'y avait pas ça. Bah, comme je disais, l'Inglis Bar était plutôt vide. Donc là, on a un carré pour sauvegarder. Tout ça, c'est vide. Je vais essayer la porte d'à côté, quand même. Ah. Évidemment, c'est pas ça. Bon. Alors, il n'y a pas de sauvegarde automatique hein, qui s'affiche dans mes trucs de sauvegarde. Là, visiblement, il n'y a vraiment que la sauvegarde manuelle. Je suis désolé, je vais vous laisser. Oh là, il est apparu comme ça. C'est l'heure d'aller dormir. Oui, bah, de toute façon, je vais pas continuer très très longtemps. Oups. Voilà. Plus coriace que les autres, celui-là. Ok, je peux pas faire plus. Donc ouais, comme je disais, je vais pas continuer très très longtemps, je pense. Ouais, ça fait déjà plus d'une heure que je joue. Je vais me soigner et je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Hop. Alors ça c'est la carte. Comment on se soigne déjà? À l'ancienne peut-être. Alors, soin. Tac. Boisson revigorante, ça devrait suffire. Ouais. Ah, pas tant que ça. On va en prendre un autre. Ok, là on est bien. Bah écoutez, je retourne sauvegarder. Et puis on va s'arrêter là-dessus pour ce soir. C'était une bonne petite prise en main. Une bonne petite redécouverte avec des nouveautés, avec des choses connues. Et en tout cas, il est très beau. Graphiquement, en termes de gameplay, c'est assez plaisant également. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite avec vous. Ça va être cool. Ça va être cool. Hop, une petite sauvegarde. Voilà, partie sauvegardée. Hop. Et bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus pour ce soir. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. On reprendra, alors je sais pas si je restream demain ou si ça sera jeudi. On verra ça. Mais voilà, c'était une bonne petite prise en main, c'était une bonne petite redécouverte et ça fait très plaisir, beaucoup d'émotions pour moi qui suis un fan absolu des Silent Hill que de retrouver James Sunderland et la ville. Voilà. Allez, bonne soirée tout le monde, à la prochaine, ciao.